Bonjour et bienvenue à cette minute technique de Solid Expert. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de SOLIDWORKS Visualize disponible depuis SP3. Il s'agit de l'intelligence artificielle, une espèce d'algorithme qui va aller prédire les résultats lors des calculs. Ce qui est important de mentionner, c'est disponible sur les cartes NVIDIA Quadro. Bien entendu, toujours utiliser les derniers drivers ou pilotes de graphiques homologués par SolidWorks. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que ça va prédire le résultat des calculs. Ici, j'ai une machine à café, donc si je viens visualiser au niveau de la tasse notamment, on remarque qu'il y a énormément de bruit. Okay, donc, à chaque passe de rendu, ici, on le voit dans l'affichage, à chaque passe de rendu, ce bruit-là est raffiné jusqu'à temps qu'il disparaisse virtuellement. Ce qu'on va faire le débruiteur, finalement, c'est de prédire dans ces zones de bruit-là les résultats et de venir lisser. Donc, on voit ici, avec la symbolique de du petit cervelet, je clique. Et je vais obtenir, on voit ici, paf, une prédiction du résultat final. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, en moins de 10 passes environ, vous allez voir que mon image est nettoyée et prête à être employée. Ce qui est important de mentionner, c'est évidemment des calculs qui sont non moins précis qu'un lancer de rayon typique, mais disons que c'est très applicable pour lorsqu'on a peu de temps ou si on a des grandes images ou avoir des résultats beaucoup plus rapidement. C'est accessible dans vos outils, options, fenêtre 3D. Et ici en bas, vous avez l'option débruiteur maintenant disponible depuis SP3. Donc, initialisez le débruiteur et affichez le bouton dans la barre d'outils principale. Pour illustrer mes propos ici, vous pouvez remarquer une image en 10 passes sans le débruiteur. La même image en 10 passes avec débruiteur pour des temps similaires, on parle d'environ 6 secondes. Et pour obtenir la même image, mais la même qualité, mais sans débruiteur, j'ai dû monter jusqu'à 500 passes. Donc, pour une durée de 4 minutes 44 secondes. Fait qu'on voit ici le gain de temps énorme que l'on peut sauver lors de nos projets. Alors, j'espère que cette minute technique sera vous intéresser et vous sera très utile. Merci, à bientôt.